Définition de la notation scientifique. Voici un exemple. Moins 4,03 fois 10 exposant moins 9. On a bien un nombre décimal avec un seul chiffre devant la virgule qui n'est pas 0. Ça peut être négatif ou positif, pas de souci. Multiplié par une puissance de 10, l'exposant peut lui aussi être positif ou négatif. Donc formellement, on donne la définition de cette façon. Un produit entre un nombre décimal et une puissance de 10, en précisant que l'exposant peut être positif ou négatif et que c'est un nombre entier, et en précisant que ce nombre a un seul chiffre devant la virgule. Il peut être positif ou négatif, on dit relatif. Une autre façon de dire qu'il n'a qu'un seul chiffre devant la virgule, c'est de dire que sa distance à 0 est comprise entre 1 inclus et 10 exclu. Je vous laisse réfléchir à ce que ça veut dire. Il faut voir avec votre professeur si vous avez des difficultés à comprendre la dernière petite phrase, mais en quatrième, ce n'est pas une obligation de la comprendre.